l'eau est un milieu visqueux. C'est-à-dire que quand vous allez faire couler l'eau, elle ne va pas couler en ligne droite. Elle va toujours faire des mouvements sinueux, et ce qu'on appelle des vortex. Donc là, vous avez de très belles images, qui sont des images de satellites, puisque maintenant, avec les satellites, on peut photographier la Terre sous tous les angles. Et ensuite, vous voyez, on a photographié ici, vous reconnaissez l'Italie, la Sardaigne, la Corse, la France, l'Espagne, ici c'est la Sicile, là c'est l'Afrique. Et vous voyez qu'on nous a visualisé les grands courants océaniques, les mouvements de l'eau, que vous ne voyez pas parce que vous voyez de l'eau. Mais en fait, lorsqu'on regarde les molécules et leur vitesse, on voit qu'il y a des... ça se structure. Il y a ce qu'on appelle des vortex. Et ils sont à des endroits très particuliers, ils sont ici, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Et ces vortex sont toujours intéressants. Pourquoi? Parce que c'est à ces endroits-là qu'on trouve des explosions de plancton. C'est-à-dire que le plancton vient se concentrer dans ces vortex. La vie adore. Dès qu'il y a un vortex, vous êtes sûr qu'il y a plein de vie qui se développe. Et pour les pêcheurs, donc, c'est une aubaine, parce que s'il y a beaucoup de plancton, ça veut dire quoi? Comme il y a des poissons qui mangent le plancton, ça veut dire que là, vous avez des eaux très poissonneuses. Et puis c'est des eaux qui sont purifiées par là. Ah, il y a aussi l'aspect purification. Je crois que tous les plastiques se concentraient aussi. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est là où on prélève l'eau de mer de Quinton. Il y a on va dans ces vortex, à ces endroits très particuliers, pour prélever de l'eau de mer, et ça a des propriétés thérapeutiques assez intéressantes. Voilà, donc ça, c'est vrai que le vortex avec l'eau, mais ça, c'est lié à une propriété qu'on appelle la viscosité. Bon, ça, je ne vais pas insister trop. Voilà, quelque chose qui est peut-être plus important pour l'agriculture, c'est cette notion de tension superficielle. Vous avez ici une expérience. Donc là, je n'ai pas eu le temps d'amener le matériel, mais vous pouvez faire ça chez vous. Vous prenez donc une coupelle que vous remplissez d'eau. Vous voyez, vous prenez un support comme ça, vous pouvez le bricoler avec tordre un fil de métal. Hein, et vous déposez l'aiguille sur le support. Et ensuite, vous très délicatement, vous posez le support sur l'eau. Et qu'est-ce que vous allez voir? Que l'aiguille qui est en métal, à une densité qui est à peu près entre 4 et 5 grammes par centimètre cube, alors que l'eau a une densité de 1. Donc normalement, que devrait faire l'aiguille? Elle devrait couler. Eh bien, elle ne coule pas. Elle flotte. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'oppose à la gravitation. Et donc, dans l'eau dynamisée, elle va couler? Non, pareil. Pas plus, pareil. Dynamisée ou pas dynamisée? C'est que vous avez dans l'eau, à la surface de l'eau, quelque chose qui empêche, qui lutte contre la gravité. Et c'est cette force qu'on appelle la tension superficielle. C'est-à-dire que vous devez voir l'eau en surface comme quelque chose qui se comporte comme une membrane, qui a une certaine tension. Et si ça a une certaine tension, ça veut dire que je peux me poser dessus. Et je ne vais pas couler. Et vous avez sûrement été attentif à ça, puisque vous êtes des personnes qui évoluaient dans la nature. Vous avez sûrement dû voir des guérisses, sur des mardeaux, ces petites bestioles. Elles marchent sur l'eau, hein. Elles n'ont aucun souci. Hein. Elles jouent sur le fait que pour elles, l'eau, c'est une membrane de tambour. C'est-à-dire qu'on peut s'y poser, c'est une surface plate où on peut marcher. Parce qu'il y a cette tension superficielle. Mais ça marche jusqu'à une certaine masse du corps. Oui, c'est pour ça que le guériste doit avoir une très faible masse. Vous voyez, la masse d'un guériste, c'est pas... C'est très petit. Alors, cette valeur, elle est bien connue, hein, pour une pression atmosphérique, elle vaut 0,0725 newton par mètre. Donc une caractéristique de l'eau, et c'est elle qui va être responsable de toutes les formes sphériques qu'on a dans l'eau, dès qu'il y a de l'eau, c'est-à-dire que, comme créer la surface, ça coûte cher, puisque chaque fois que vous créez de la surface, vous devez amener cette énergie. La nature va toujours chercher des surfaces qui sont les de plus petites surfaces. Et quelle est la surface qui est la plus petite pour un volume donné?
c'est la sphère. Donc c'est pour ça que vous verrez beaucoup de sphères dans la nature. Dès que vous voyez une sphère, ah, tension superficielle. C'est-à-dire qu'il y a une énergie de surface qui est là et qui est responsable de la forme sphérique. Ces phénomènes vont donner naissance donc à toutes les formes de ce qu'on appelle sphériques, c'est-à-dire pour l'eau, ce sont les cavités, les gouttelettes et les bulles. Alors ne mélangez pas les trois. Hein. Une cavité, c'est un gaz dans un liquide. C'est par exemple les bulles que vous voyez dans le Perrier ou dans le Champagne. C'est-à-dire que vous avez des cavités de gaz, d'eau qui est vapeur, enfin, ou de gaz qui sont dispersés dans l'eau liquide. La gouttelette, c'est l'inverse. C'est un morceau de liquide qui est dispersé dans du gaz. Donc typiquement, c'est les gouttes de rosée, c'est la pluie. Lorsque vous regardez par exemple une goutte d'eau sur une feuille, vous voyez très bien la forme sphérique que prend la goutte. Ça, c'est une goutte. Et on a les bulles, donc ça c'est ce que vous êtes, ce qui est là, qui sont là en fait des films, des gaz qui sont entourés par un mince film de liquide. Et les bulles sont très importantes parce que l'épaisseur, vous voyez tout à l'heure, de la bulle, il y a du gaz dehors et il y a du gaz dedans. Et ce que vous avez, c'est une petite pellicule qui fait la séparation entre l'intérieur et l'extérieur. L'épaisseur de cette pellicule est de l'ordre de 10 milliardièmes de mètre. C'est-à-dire que là, vous touchez le nanomètre avec la bulle. Vous voyez ce que c'est qu'un 10 nanomètre. C'est à peu près l'épaisseur de ce film de liquide qui sépare le gaz de l'intérieur de la bulle du gaz de l'extérieur. Ça fait combien de couches de molécules d'eau ? Ça fait à peu près une quarantaine couches, 40 couches de molécules d'eau. Je peux vous donner la taille d'une molécule d'eau, ça c'est quelque chose d'important. Donc ça, ce que je vous invite à faire, c'est à... Vous rappelez, hier, je vous ai dit de mettre une phrase encadrée dans votre ferme ou dans votre maison. Ceux qui sont en train de faire l'impossible. Je ne sais plus très... Mais là, c'est pareil. Vous allez prendre votre plus belle imprimante, écrire H2O égale 0,33 nanomètres. Un nanomètre égale 1 milliardième de mètre. Vous l'encadrez et vous mettez ça dans votre salon. Ceux qui ne croient pas à l'impossible sont priés de ne pas décourager ceux qui sont en train de le faire. Voilà. Ceux qui sont... Parce que ça vous donne une échelle. C'est-à-dire qu'une fois que je peux avoir la molécule d'eau, elle est où ? Vous voyez qu'ici, où est mon pied à coulisse ? Ça, c'est bien les pieds à coulisse. Ça permet de mesurer les diamètres. Voilà. Là, je suis à 2,41 cm de diamètre pour ça. Mais en fait, ça, c'est grossi. Il y a un facteur d'échelle. C'est-à-dire que si vous voulez avoir la taille réelle de cet objet, ça correspond à 0,33 milliardième de mètre. Donc l'échelle que vous avez là, c'est le rapport entre 2,41 cm représente 0,33 nanomètres. Et c'est parce qu'on a ce facteur d'échelle qui lie au nombre d'Avogadro que pour voir les choses,
on est obligé de multiplier par un facteur de grossissement. Parce que sinon, 0,33 nanomètre, c'est tellement petit. Alors c'est ça qui est bien dans la bulle, c'est que vous voyez très bien ce film qui sépare l'intérieur de la bulle de l'extérieur, et là vous avez exactement ce que c'est qu'un nanomètre. Vous pouvez le voir avec vos yeux, à quoi ça correspond. Alors cette tension de surface, on la représente aussi, voilà. On peut aussi la voir comme une pression. Pourquoi ? Parce que la tension de surface est homogène, une énergie que divise une surface. Donc si je divise par un rayon, qui est le rayon de la cavité, de la bulle ou de la goutte, qu'est-ce que j'obtiens ? Une énergie sur un volume. Et qu'est-ce que c'est qu'une énergie sur un volume ? C'est une pression. Donc on a une pression automatique qui est liée par le fait que vous formez une bulle ou une cavité d'une certaine taille, ça va vous générer une certaine pression. Et la pression, c'est toujours quelque chose d'intéressant, parce que c'est une source d'énergie mécanique, puisqu'on suffit de multiplier par une variation de volume et vous avez une énergie dite mécanique. Et donc, si vous avez une énergie mécanique, ça veut dire quoi ? Que vous allez pouvoir faire bouger les choses. Et bouger les choses grâce à quoi ? De l'eau. Avec un trou dedans. Donc ça, vous avez sûrement déjà vu ça, puisque dans la nature, c'est un mécanisme qui est... Donc ça, c'est une autre illustration de la tension de surface. Vous voyez que pour nous, la goutte d'eau, bon, c'est petit, mais pour une fourmi, qui est à peu près de la taille, dont la tête est à peu près de la taille de la goutte, vous voyez, regardez quand elle boit, vous voyez la tension ici ? C'est-à-dire que pour elle, c'est comme si elle avait un verre d'eau. Sauf qu'elle n'a pas besoin de verre. Elle boit directement à la goutte et elle utilise la tension superficielle comme contenant. Qu'est-ce qu'il y a ? Et puis, donc ça vous montre bien cette énergie. Alors l'autre chose donc pour tout... Ça explique pourquoi, quand j'étais en chimie, on mettait des tensioactifs pour étaler la goutte d'eau. Voilà, ça, ça permet effectivement de plus avoir... on baisse l'énergie interfaciale, elle est plus de 72 mN par mètre, elle tombe à quelques mN, et là, à ce moment-là, ça étale. Il n'y a plus cette forme sphérique. Mais ça, pour tous les agriculteurs, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que si vous regardez comment se constitue un végétal, vous verrez que les végétaux ont toujours des canaux. C'est-à-dire que dans les arbres, dans les plantes, il y a des canaux. Si vous regardez le diamètre de ces canaux, ça fait à peu près quelques microns. Et quand vous confinez l'eau qui a une certaine énergie interfaciale dans une petite cavité qui a de la taille du micron, si vous égalisez cette énergie de surface à la pression de la hauteur d'eau, vous trouvez que vous pouvez faire pomper l'eau jusqu'à une hauteur qui est donnée par deux fois l'énergie interfaciale que divise la densité, que divise l'accélération de la pesanteur, que divise la taille du canal. Et donc ça veut dire quoi ? Que quand vous faites un canal que vous mettez dans l'eau, vous voyez ce qui se passe, l'eau elle monte, toute seule. En fait, ce n'est pas qu'elle monte toute seule, c'est l'énergie interfaciale de surface qui fait monter l'eau. Donc c'est comme ça qu'une plante va s'hydrater à partir de ses racines. Il suffit qu'elle fasse des canaux très petits et ça monte par capillarité. Ça s'appelle les forces capillaires.